Bonjour, je vous propose de faire des pains Eschbat et Dukka. Ça ressemble à un pain pita, plutôt en galette quoi. Donc pour ça, il vous faut 500 g de farine, 200 ml d'eau, 10 g de levure, 5 g de sel, de l'huile d'olive et deux belles cuillères de Dukka. Alors comme l'huile d'olive et le Dukka, c'est pour la fin. Je ne les ai pas sortis. Donc là, on va mettre le tout dans mon robot et on va faire la pâte en direct. Donc je mets le sel au fond pour éviter que la levure et le sel soient ensemble, se touchent. Après, je vais mettre la farine, donc les 500 g. Je vais mettre la levure par-dessus. Voilà. Et là, je vais mettre en marche mon robot et je vais tout progressivement mettre l'eau. Après 5 minutes de pétrissage au robot, je vais les laisser reposer sous un torchon pendant 1 heure. Après 20 minutes de repos, après découpage des petites boules du bâton, on va les étaler avec le rouleau, les faire bien rondes et les faire cuire à peu près 5 minutes au four bien chaud. À savoir que les petites galettes ne doivent pas dépasser 5 mm. Et voilà mes petits pains Eschbat avec les épices du camp et de l'huile d'olive. Donc on prend les petits pains, on trempe dans l'huile d'olive, après on les trempe dans les épices et on mange comme ça. C'est très très bon. Allez, au revoir.